jour 8 de tes premiers 10 000 euros en crypto, le challenge. Aujourd'hui, ça va te coûter 0 euros et ça va te prendre une quinzaine de minutes. Donc, tu as juste à suivre les étapes. J'ai tout fait pour toi. Vas-y, on se retrouve devant le PC. Bisous, poteau. Ok, nous revoilà sur le PC. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Coinbase a annoncé l'arrivée de Base. C'est un optimistic roll-up qui va fonctionner sur un subnet d'Arbitrum. Donc, tout ça, tu n'as pas vraiment besoin de le retenir. Ce qu'on veut savoir, nous, c'est est-ce qu'on va pouvoir avoir des airdrops? Et je vais te montrer exactement comment faire tout de suite. Là, tu vas aller sur le site qui s'appelle Chainlist. Normalement, tu as déjà ton MetaMask. Si tu n'as pas encore ton MetaMask, tu peux le télécharger. Tu vas voir au fur et à mesure, on l'utilisera tous les jours. Donc, il va falloir que tu le télécharges à un moment ou à un autre. Là, tu vas chercher ce qui s'appelle GoEarly et tu vas l'ajouter à ton MetaMask. Maintenant qu'on est sur GoEarly, ce qu'on veut faire, c'est récupérer de la crypto gratuitement. On va aller sur un site qui s'appelle goearlyfaucet.com. Là, on va dire qu'on n'est pas un robot. Il faut sign up, donc il faut se créer un compte, j'ai l'impression. Maintenant qu'on est sur la bonne blockchain, ce qu'on veut, c'est récupérer des cryptos gratuites. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un faucet. C'est eux, ils t'envoient directement de la crypto sur ton porte-monnaie. Donc tu vas sur ce site, faucet.quicknode.com. Ensuite, tu vas connecter ton wallet. Voilà, classique. Maintenant, on va partager le tweet pour avoir 3 fois plus de faucet. Bon, normalement, il aurait dû t'envoyer la crypto. Moi, je vais réessayer dans quelques heures. Et ensuite, tu les auras directement sur ton MetaMask. Demain, on voit comment on fait pour faire des bridges. Et on voit comment on fait pour les utiliser et être éligible encore plus à un airdrop encore plus gros. Donc, je te dis à demain et bisous pour toi.